Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle autopublié que j'ai craqué bah dès que je l'ai aperçu passer sur mon Facebook parce que je le trouve très joli, il a un univers très witchy, euh, très original aussi je trouve, et bon bref, je l'ai vu, j'ai craqué. Donc il s'agit de l'oracle Mystic Glow de Mystic Garden. C'est un oracle de 54 cartes, un oracle de divination évidemment. Et euh, quand j'ai ouvert le colis, j'ai trouvé que l'emballage était tellement joli que je me suis dit qu'on allait bah, l'ouvrir ensemble. Il fallait quand même que je vous montre comme c'était joliment présenté. Vous savez que moi j'aime bien les oracles autopubliés euh, quand on a comme ça des beaux emballages, des petites attentions. Il était là-dedans dans de la... De la... De, je sais pas du papier de soie. Voilà. Il arrive avec un pochon en... En, en lin, toile de jute, je ne sais pas j'aime beaucoup, ça fait très naturel et regardez comme c'est joliment emballé, avec marqué fait main avec amour spécialement pour vous avec un petit, une petite breloque de pentacle accrochée je trouve ça très joli, bon évidemment c'est dans le thème, hein, vu que c'est un, un oracle witchy, euh, c'est vraiment dans le thème, voilà, donc je voulais absolument déballer ça avec vous, donc, je crois que je vais garder euh, la breloque sur la petite corde d'ailleurs je vais essayer, du moins si j'arrive. Ouais, voilà. Zou, et j'accrocherai peut-être bien ça après au pochon. Bon, je ferai ça après. Voilà. Zou, donc il est encore emballé. Hein. On a l'impression d'avoir un papier cadeau. Bon, je vais essayer de ne pas trop durer longtemps. Hein. Elle l'a bien emballé, évidemment. <laughs> bon, ce pas grave, je vais déchirer par ici au-dessus. Désolée pour le bruit que ça va faire. Voilà. Je pensais qu'il était encore emballé dans un blister, mais non, détenu par une petite lanière de plastique, ça va. On est sauvé. Voilà. Bon, je vais juste mettre le papier derrière moi. Voilà. Alors, enlever la latte ici de plastique. Voilà. Et il est encore protégé à la fin par une carte en carton. Donc, ça, c'est magnifique. Oh, il est super beau, hein, franchement. Donc il y a 54 cartes, comme je viens de vous le dire. Euh, c'est du papier 350 grammes et la taille, c'est du 7 x 12. Voilà. Euh, et il est disponible sur Etsy. Je vous mettrai le lien vers la boutique de la créatrice, évidemment, dans la barre de description. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, elle a fait d'autres jeux. Euh, moi, c'est celui-ci que j'ai vu passer euh, qui m'a tapé dans l'œil. Je vais vous montrer. Euh, la taille par rapport à un tarot classique, un hein, 7 sur 12, c'est la même taille, voilà. Comme ça, vous savez tout. Alors on va, je vais vous montrer le dos. Moi j'adore déjà la couleur, le pentacle, tout fait très witchy. Euh, je trouve ce dos magnifique. Les tranches sont neutres, ça c'est chouette. Je ne l'aurais pas vu avec des tranches dorées, sincèrement. Euh, non, mais il est très beau comme ça. Donc on retrouve le numéro ici, l'illustration ici. Ici le titre de la carte et à chaque fois on va retrouver trois mots-clés du coup il euh, n'y a pas de livret mais bon il y a les mots-clés sur la carte et il est très parlant je trouve. Et euh, bah, vous allez voir c'est le style d'illustration euh, qui est vraiment très original. Donc ici on a l'évasion magique. Je vais quand même vous dire euh, la qualité. La qualité est top, hein, franchement. Bon, on sent que c'est du 350. Hein. Alliance sacrale avec engagement, contrat et union. Elle est belle. La plume enchantée, expression, communication, information. L'équilibre sacré avec l'alignement, la stabilité, le juste milieu. Le défi des vents, épreuve, difficulté, imprévu. J'adore les couleurs. Il a un ton comme ça violet. Regardez ici, ça se voit bien. Comme Il a euh, une oui, une colorimétrie vraiment originale. Douceur sauvage, connexion, harmonie, nature. Je vous dis, dès que je l'ai vu, j'ai craqué. La nuit étoilée, réflexion, imagination, contemplation. Trésor caché, abondance, richesse, prospérité. La sérénité éthérée, lâcher prise, paix et apaisement Elle est magnifique aussi. La clé du savoir, solution, réussite, réalisation un petit côté euh, bon forcément un petit côté mystique c'est dans le nom mais un petit côté euh, un peu comme si c'était euh, la fin de la journée vous voyez le quand il commence à faire un peu sombre divination intuitive clairvoyance intuition spiritualité flux de la vie cycle répétition mouvement destin funeste fin séparation échéance j'adore elle est trop belle il a un petit côté euh, fini pêche quand même et, un, et du coup une finition mate mais ça va très bien je trouve alors celle-là c'est une des cartes forcément qui m'a fait craquer hein. liberté féline indépendance autonomie détachement vous savez bon déjà que j'adore les chats mais bon les chats noirs j'en ai deux donc forcément j'adore les petites oreilles qui dépassent du chapeau celle-là aussi j'aime beaucoup chemin indécis hésitation choix incertitude celle-là aussi c'est une des cartes qui m'a fait craquer regard perspicace découverte lucidité et vérité bouclier des sorts protection sécurité et appui mutation papillon transformation renouveau métamorphose Elle est belle aussi celle-là les couleurs sont trop belles temps d'épreuve patience attendre persévérance même les noms sont originaux je trouve envol libérateur Libération, délivrance, évasion. Porte des possibilités, opportunités, potentiels, chances. Croissance éternelle, évolution, progression, développement. Magie unie, amitié, collaboration, travail d'équipe, celle-là aussi j'adore. Rivière des lamentations avec tristesse, abattement, désespoir. Esprit trouble, confusion, désorientation et désordre. J'adore l'effet de fumée comme ça. Potion d'allégresse, célébration, joie et fête. Reflet serein, assurance, confiance et certitude. Est belle aussi. Hein Celle-ci aussi est magnifique. Duel de loups, conflit, adversité, opposition. Sort destructeur avec colère, rage et rancune. Charme trompeur, illusion, fausseté, égarement. clap-pomme. Ordre universel, justice, équité, impartialité. Celle-là aussi est belle. Impasse champêtre, stagnation, ralentissement, inaction. Croissance réversible, progression, descente, transition. Belle aussi. Ils sont toutes belles. Porte close, refus, ignorance, exclusion. Miroir des âmes, fragilité, vulnérabilité et faiblesse. Et je le trouve très chouette pour cette période, euh, bah cette période sombre hein, d'Halloween, Sawin. Euh, il est très chouette. Lac des rêves, harmonie, calme et tranquillité. De par la tonalité de couleur, je trouve qu'il irait très bien avec l'oracle de Karine aussi, la connexion mystique. Bénédiction ancienne, gratitude, appréciation, reconnaissance elle là aussi est belle. La sorcière mystique Ce sera la consultante, la femme ou une tierce personne. Regard maléfique, jalousie, rivalité, concurrence. Ouais, on voit bien leur tête qu'elles ne sont pas sympathiques. Éternel regret, regret, culpabilité, fantôme du passé. Celle-là aussi, c'est une des cartes qui m'a fait craquer. Vigilance, batracienne, méfiance, prudence, appréhension. Lien enchanté, amour, passion et romance. Mystère verrouillé, secret, inconnu, dissimulation. Oh, qu'est-ce qui me fait Voilà. Elle est belle aussi celle-là. Savoir ancien, connaissance, transmission, expérience. Le chiffre 13, le sortilège maudit, malchance, infortune, malédiction. Perfidie, citrouillée. C'est trop comique comme titre ça. Conspiration, tromperie et mensonge. J'aime beaucoup parce que ces titres, elle les a quand même recherchés, vous voyez. Contrôle, obscur, emprise, manipulation, domination. C'est typiquement le genre d'illustration que moi j'aime beaucoup. Hein. Maléfice, fongique, toxicité, danger, corruption. Horreur, tissée, avec la peur, l'inquiétude et l'anxiété. Bon, les arachnophobes, désolé. Monotonie, ensorcelée, routine, habitude et ennui. On voit la toile d'araignée. L'air de dire, il n'y a rien qui a bougé depuis longtemps. Refuge oublié, isolement, repli, abandon. Cache de l'esprit, blocage, obstruction, restriction. Oh, j'adore. Vite souris, manque, privation et pénurie. Maintenant, à chaque fois que je vois une souris, je pense à Dominique qui a peur des souris. <laughs> Rituel purificateur, purification. Énergie et bien-être. Voilà. Moi, déjà, j'adore les illustrations et j'adore le dos. On va le mélanger et on va en tirer deux. Il est super agréable dans, dans les mains. Il se mélange très, très bien. J'ai une odeur d'encens. J'ai chipoté avec de, de l'encens. Ou oh, c'est son jeu Non, j'ai chipoté avec de l'encens juste avant de sauge blanche. Et ça sent super bon. J'adore. Oh là là. se mélange très très bien. On va le mélanger encore un petit peu. Pas envie de parler. Il fait le timide encore un petit peu. Oh oh oh, j'ai parlé trop vite. Bon, c'est pas grave parce qu'il y en a un peu de trop. Voilà, voilà. Bon, il glisse pas comme dans du beurre, mais bon, ça va. On va en prendre deux. On verra si il nous en faut une troisième après. Alors, on a ah, la mutation, je vais quand même vous les remontrer de plus près avec le papillon, et euh, l'ordre universel, justice, équité, impartialité. Euh, ben ici, peut-être que ça nous dit qu'il va y avoir euh, des nouvelles choses, des transformations, peut-être des transformations euh, liées à quelque chose qui a à voir avec la justice. Euh, ou peut-être tout simplement vous cherchez euh, à retrouver votre équilibre et du coup vous êtes en pleine transformation peut-être que vous mettez des nouvelles choses en route euh, pour, justement, euh, ben pour justement retrouver un certain équilibre peut-être que vous mettez des choses en place voilà tout simplement euh, en vue euh, euh, de d'évoluer de vous de vous métamorphoser entre guillemets de vous transformer euh, peut-être que vous avez envie de nouvelles choses dans votre vie tout simplement et euh, vous avez envie euh, de mettre des nouvelles choses en place pour retrouver une certain, un certain équilibre, plutôt. Euh, ou peut-être aussi, tout simplement, euh, que pour vous, la justice, est, enfin, la justice, être juste, plutôt, est quelque chose d'important également. Et peut-être que c'est quelque chose qui est dans vos valeurs. Voilà, voilà, pour ce petit tirage. Franchement, moi, j'aime beaucoup euh, bah déjà le dos, que j'adore. Il bah va bien dans le thème, hein, Witchy Sorcière. Je suis fan de ces illustrations. Vraiment, j'adore la couleur, en fait avec euh, comme ça une tolité bleue un peu de violet je trouve ça magnifique euh, bah, le fait qu'il y ait 54 cartes aussi euh, je trouve parfait évidemment pour cette période hein, bien que moi vous savez euh, j'utilise les jeux comme ça toute l'année hein. euh, j'adore j'adore son dos la qualité est top et euh, le fini est très agréable au toucher et évidemment une attention toute particulière euh, à l'emballage qui était vraiment magnifique avec euh, le petit mot ici voilà, mais du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer ou pas. Moi avant, euh, avant de l'avoir vu sur Facebook, je l'avais pas, en... je l'avais vu passer nulle part. Euh, et franchement, c'est une très très jolie découverte. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est votre style, hein, ce genre d'illustration, ou si au contraire euh, c'est pas votre style du tout. Si vous avez craqué aussi, peut-être, je sais qu'il avait aussi craqué. Euh, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, encore un grand bravo à la créatrice pour ce magnifique jeu. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!